Salut les amis, c'est bien votre ami, votre pasteur, votre serviteur, tout ce que vous pouvez penser, Pasteur James, James Kudura. Aujourd'hui c'est le 8 mars 2018, c'est la journée internationale de la femme. Alors j'ai eu l'idée de pouvoir aussi donner quelques principes, quelques idées, quelques points pratiques en ce qui concerne la femme. Vous savez, les Nations Unies est en train de célébrer cette journée avec un thème très très intéressant, la position de la femme, la conciliation de la vie professionnelle et la vie familiale. C'est vraiment un point très 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 intéressant. Mais nous aujourd'hui, on va essayer de parler de 5 points. Pourquoi j'ai pris ces 5 points? Parce que nous savons, le sujet de la femme reste encore un sujet controversé dans la vie de l'Église, dans plusieurs cultures, dans plusieurs sociétés. Le sujet de la femme reste encore un sujet vraiment à traiter. Vous savez, j'ai toujours cru que les problèmes ne se traitent pas avec des émotions, mais les problèmes se traitent avec la logique, avec la raison. L'intelligence, c'est avec l'intelligence qu'on traite les problèmes. Du reste, Dieu nous a doté de l'intelligence pour ça, parce que l'intelligence est cette faculté que Dieu t'a donnée, que le Créateur t'a donnée, pour que tu puisses t'adapter, pour que tu puisses trouver des solutions dans des problèmes, des différentes situations, circonstances néfastes, négatives qui surviennent. Alors tu es là pour pouvoir trouver des solutions et tu uses de ton intellect, de ton intelligence, de ton raisonnement pour pouvoir trouver des solutions. Jadis mon cœur était réservoir de soucis, j'ai porté tristesse comme écolier en or massif. Depuis que j'ai donné ma vie en Jésus-Christ, j'ai trouvé la paix, la joie. Alors, en ce qui concerne la femme, je veux parler 5 points. Et le premier point, je dirais ceci, que selon moi, je considère la femme comme étant un être humain. Voilà, c'est très important. C'est beaucoup, pour beaucoup de gens, on pense que... mais pourquoi? Oui, c'est très important parce que la femme considérée comme un être humain, c'est très important. Pourquoi? Parce que dans la Bible, Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible dit « Créons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance. » Vous savez, je n'ai pas utilisé le mot « homme » parce que ce mot-là, de fois, ça cache cette nature de la femme. Beaucoup de gens ne considèrent pas la femme comme un être humain. Voilà pourquoi j'ai dit le premier principe que j'aimerais que nous puissions savoir est que la femme est un être humain. Dieu dit créons l'homme, ou encore créons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Si la femme est un être humain, cela veut dire que la femme doit aussi dominer sur les oiseaux du ciel, le bétail, sur toute la terre. Et la Bible va continuer au verset 27 en disant maintenant, Dieu va créer cet être humain-là selon deux exemplaires. Il va créer cet être humain-là mâle et il va créer aussi un être humain femelle. C'est-à-dire, du point de vue divin, la femme est un être humain. C'est un être humain. Et cela va nous amener à vous donner le deuxième principe que je considère, et que la femme étant un être humain, elle est égale à l'homme. Lorsque la Bible dit créons l'être humain ou créons l'homme avec grand H, créons l'humain, la femme étant un être humain, eh bien il est égal à l'homme. Elle est égale à l'homme. La femme est l'égale de l'homme.